Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo morning routine ménage. Je me réveille toujours lorsque je suis en vacances un petit peu plus tard que quand je travaille. Donc là, il était plus de 8 heures passées. J'ai d'abord profité d'un petit moment assez calme puisque j'étais toute seule à la maison pour déjeuner et maintenant je vais m'attaquer au ménage. Je n'avais pas fait du tout ma routine ménage du soir, c'est pour ça que la maison est un petit peu en bazar, même si franchement ça va encore. Donc je commence par ouvrir les rideaux de la maison comme vous avez pu le voir avant. Je prends un petit déjeuner assez rapide et ensuite je vide tout le temps le lave-vaisselle puisqu'il tourne la nuit. N'ayant pas fait ma routine du soir la veille, forcément ça me pénalise, on va dire, dans le matin. Donc là, je dois remplir le lave-vaisselle. Dans la journée, j'avais fait un petit brin de vaisselle à la main, ce qui fait que il faut que je le range et donc du coup, je m'y attaque tout de suite. Je vais en profiter pour débarrasser la tasse de mon petit déjeuner. Comme je ne sais pas si elle passe au lave-vaisselle, je la trouve tellement belle que je m'en occupe de la nettoyer à la main. Comme vous avez pu le voir, j'ai bu du thé et puis j'ai mangé un petit peu de brioche. Ensuite vient le nettoyage de la table et en ce moment j'essaye un nouveau produit de la marque Renette qui doit être au bicarbonate si je ne me trompe pas. J'ai un petit peu de vaisselle à faire à la main, donc c'est parti. Thank you.
Une fois ma vaisselle terminée, je passe toujours un petit coup rapide dans l'évier. Je file maintenant direction notre chambre. Je vais donc ouvrir le rideau et en même temps ouvrir la fenêtre pour faire aérer celle-ci. Généralement, je fais aérer la chambre entre 10 et 15 minutes chaque matin. Et ensuite, je fais mon lit. Alors effectivement, il n'est peut-être pas tiré à 4 épingles, mais il est fait quand même chaque matin. Et pour moi, un lit, c'est vraiment, on va dire, ma tâche principale de la matinée, puisque si mon lit n'est pas fait, j'ai l'impression de ne pas vraiment commencer ma journée. Ensuite, comme j'ai enlevé mon pyjama dans la salle de bain, je l'avais laissé en boule, mais là je vais le mettre à laver. Donc je vais toujours faire un petit tour vite fait dans la salle de bain, ça me prend 3-4 minutes. Je range un petit peu ce qu'il y a à ranger, que ce soit par terre ou au niveau de l'évier, enfin, du lavabo. Et en même temps, je passe un coup rapide avec mon éponge, histoire d'enlever les cheveux qui peuvent traîner, ou alors les petites paillettes de maquillage, toutes ces choses, histoire de pouvoir être tranquille pour la journée et que ce soit propre partout et rangé. Je vais passer un petit coup de rangement également dans l'entrée. C'est vrai que les chaussures, ça fait vite bazar. En plus, mon mari m'avait ramené une rallonge qu'il a posée comme ça sur le tapis, qui est d'ailleurs très sale. Donc du coup, j'étais la remettre dans le garage et je lui ai demandé gentiment de me la nettoyer. Je vais ranger un petit peu le bazar sur la table, mais je laisse ce qui traîne dessus puisque c'est pour partir dans la soirée. Donc du coup, je le laisse là plutôt que d'aller le ranger pour le déranger après. Je remets toujours le canapé comme il faut. Normalement, je passe un petit coup d'aspirateur, mais là, clairement, il n'y en avait pas besoin. J'essaye de le faire au moins une fois par jour ou une fois tous les deux jours.
J'en profite également pour ouvrir et aérer au niveau de la cuisine. Et comme je veux faire mon sol, j'en profite du coup pour mettre les tabourets sur l'îlot. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup les changer parce que voilà, ils commencent vraiment à être très abîmés. Mon mari veut absolument garder un pied tournant, sachant que moi, je ne veux plus de pied chromé puisque franchement, au niveau de l'entretien, c'est catastrophique. Alors, si vous avez des suggestions, je vous attends soit sur Instagram ou soit en commentaire sur YouTube. J'ouvre également la porte-fenêtre du côté du salon, comme ça va bien aérer côté salon, salle à manger. Et en plus, je trouve que ça fait sécher le sol beaucoup plus vite. Concernant les chaises du côté salle à manger, je ne vais pas les mettre sur la table, je vais juste les rabattre un petit peu, enfin les surélever, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, contre la table pour que je puisse passer comme il faut avec la serpillière. Et du coup, pour nettoyer mon sol, je vais utiliser aujourd'hui mon Easy Clean. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un aspirateur laveur sur batterie qui n'a pas de fil. Sa brosse est auto-nettoyante et vous avez un compartiment d'eau sale et d'eau propre. Il est vendu également avec plusieurs brosses de rechange. Vous en avez deux spéciales pour l'eau et deux spéciales si vous voulez juste passer le mode aspirateur. Franchement, j'en suis super contente, ça nettoie super, super bien. Il existe d'autres marques qui font également la même chose, mais en tout cas pour celle-ci, j'en suis plutôt contente. Concernant l'entrée, je vais enlever le gros tapis qui s'y trouve. Je le fais que très rarement, peut-être 3-4 fois dans l'année, pas plus, parce que franchement, c'est un petit peu galère. En plus, il est super lourd, mais ça permet quand même de bien nettoyer partout, puisque voilà, je passe juste généralement l'aspirateur dessus. Sachez en même temps qu'avec le Easy Clean, vous pouvez nettoyer les tapis. Une fois terminé, je n'ai plus qu'à replacer le robot sur sa base et vous allez entendre, elle vous donne toutes les indications nécessaires pour le nettoyage. Rechargement, veuillez lancer le nettoyage automatique. Démarrage du nettoyage automatique. Nettoyage de la brosse. Nettoyage du tube. Nettoyage en profondeur.
Comme vous pouvez le voir, c'est quand même super pratique, ça se fait tout seul et on peut voir rien qu'à la couleur de l'eau que le sol était vraiment pas clean. Pourtant, il a été fait il y a 4 jours. Mais franchement, je trouve que cette méthode de nettoyage, enfin ce nouveau mode avec la brosse qui tourne sur elle-même est quand même plutôt très efficace. Alors si je peux vous donner un conseil pour toutes les personnes qui ont ce genre d'appareil et qui souhaiteraient en acquérir un, surtout ne laissez pas l'eau sale stagner à l'intérieur, parce que ça m'est arrivé une ou deux fois de le faire et je ne vous raconte même pas l'odeur atroce lorsqu'on veut le vider. Du coup maintenant je prends pour habitude de tout de suite le vider, de le nettoyer, comme ça la prochaine fois déjà que j'en ai besoin il est nickel et au moins quand je l'ouvre ça sent bon. Je n'ai plus qu'à remettre mes chaises et mes tabourets correctement, fermer toutes les fenêtres, remettre mon tapis comme il faut. À la fin de mon ménage, du coup, j'en profite pour vaporiser ce Febreze Lenor que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps en promotion chez Leclerc. Franchement, je le trouve super sympa. L'odeur est vraiment très douce et j'aime beaucoup. Ça donne une petite touche finale. Eh bien, écoutez, c'est fait. Ma maison est toute rangée. Je suis contente. Je vais pouvoir continuer et profiter de ma journée de vacances sans à me soucier d'une maison qui est en bazar. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.